Ok. Yeshua. Voilà, bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux souverain de Jésus. Et bienvenue à cette autre édition de À la lumière des Saintes Écritures. Nous prions pour la possession des clés d'ouverture des portes fermées et la possession des portes de nos ennemis. Dieu va te donner la clé qui va ouvrir les portes fermées de ta vie, de ta famille. Et les choses que ta famille n'a pas pu réaliser, toi, tu les réaliseras et grâce à toi, ta famille entrera dans la gloire. Dans chaque famille, Dieu choisit un homme ou une femme par qui il ouvre les portes fermées parce qu'à cette personne, il lui donne les clés de sa famille, la délivrance de sa famille. Et grâce à cette personne, on peut dire, ah, dans cette famille, rien ne marchait. Bon, mais voici, grâce à telle personne, les choses sont en train de fonctionner. Désormais, on peut se marier, désormais, on peut rire, on peut vivre longtemps, etc. Donc, bienvenue à cette nouvelle édition. Connectons-nous massivement, partageons la vidéo à un maximum de personnes. Il y aura la prière ce matin pour la libération des clés volées. Les clés volées. Nous allons prier pour cela. Tu dois retrouver les clés. Et j'ai expliqué que les élèves de l'académie disent bonjour papa, merci. Voilà, et vraiment, c'est l'académie. Hein. Il faut avoir ton cahier, ton bic. Parce que je vais expliquer des choses un peu très, 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 très sincères et profondes, des choses compliquées. Et le sujet de prière, s'il vous plaît, donnez-les-moi maintenant. Mets le sujet de prière en commentaire. Dans quel domaine tu sens qu'il te faut les clés pour ouvrir la porte? Quelle porte veux-tu ouvrir? Si c'est la santé, dis la porte de la santé. Si c'est le mariage, porte du mariage. Si c'est la prospérité, porte de la prospérité. Dans tous les cas, ton ministère, la porte du ministère. J'ai expliqué qu'on ne peut rien faire dans la vie sans contrôler les portes de tel ou tel domaine de notre vie où nous voulons réussir. Dans tous les cas, il n'y a pas de champ de prédilection s'il n'y a pas eu de victoire au préalable. C'est-à-dire, quand je parle de victoire, je parle de l'ouverture des portes fermées. Il n'y a pas d'ouverture d'une porte lorsque on n'a pas de clé. Voilà. Le Seigneur, il s'agit pour nous pendant tout ce mois que tu retrouves tes clés perdues. Toi dont le ministère est en train de dandiner, de claudiquer. Tu es loin, tu sens que tu as en toi quelque chose d'extraordinaire, mais tu ne comprends pas pourquoi les choses ne décollent pas. C'est une histoire de portes fermées et de clés. Le Seigneur t'accordera les clés. Toi qui es commerçant, homme d'affaires, si tu connais quelqu'un qui est commerçant, homme d'affaires comme toi, s'il te plaît, partage-lui cette vidéo. Invite la personne et tu verras ce que le Seigneur fera dans la vie de cette personne. Dans tes affaires, dans ton business, tu tournes en rond, tu n'arrives pas à exploser. Vraiment, la chose là, tu n'arrives pas à l'atteindre. Le Seigneur t'accordera la grâce d'avoir les clés dans ton business. Et tu vas voir après cette semaine, après ce mois, des clés de porte, tu vas te rendre compte que les choses ont explosé dans ta vie. Et que la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie, qui n'est suivie d'aucun chagrin, est ton partage. Dans la vie sentimentale, tu es une bonne personne. C'est aussi ça le problème en fait. Tu es une bonne personne. Mais cependant, tu n'arrives pas à trouver une bonne personne comme toi. Quelqu'un qui va t'aimer, qui va connaître ta valeur, qui va te valoriser, qui va aussi te mettre en haut, comme tu souhaiterais la mettre en haut. Alors, en ce moment-là, c'est une histoire de porte fermée, de clé. Le Seigneur te donne la clé au nom souverain de Jésus. Donc, quel est le domaine de ta vie où tu sens que la porte est fermée, mais simplement le domaine là, voilà. Tu mets juste le domaine en sujet de prière, parce que je vais prier. Tu veux porte du mariage, porte de finances, porte de la santé. Tu ne peux pas accéder à la santé si la porte de la santé n'était pas ouverte. Que Dieu te bénisse. Si tu es malade, Dieu te guérira. Si tu es bloqué dans un domaine de ta vie, le Seigneur te débloquera. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu se manifestera dans ta vie. Nous avons commencé un grand programme hier.
du côté de la Bire, pour ceux qui habitent Yaoundé et ses environs, qui n'ont pas été en Kouaban hier, je vous invite ce matin à nous rejoindre ce soir à partir de 17h du côté de Kouaban. Nous serons là pour la suite du programme. Hier, c'était le démarrage. Vraiment, si tu n'as pas pu être là hier, fais tout pour être là aujourd'hui. Ne joue pas avec ce programme. Vraiment, vous savez, chaque thème que Dieu nous donne, c'est que nous sortons de loin. On sort de la prière, on a prié. Et Dieu nous a dit, ok, lève-toi, va et dis-leur telle chose. Parce que je vois que dans leur vie, voici ce qu'il faut à mon peuple. Dieu connaît mieux les besoins de chacun d'entre nous. Il connaît mieux les besoins de son peuple. C'est cela qu'en tant qu'homme de Dieu, lorsque nous venons pour parler de la part de Dieu, il faut qu'on ait d'abord écouté ce Dieu-là pour parler de lui aux hommes. Il faut qu'on ait parlé de ces hommes à notre Dieu. Et là, tu sors de là, tu es rempli. Donc, pardon, envoie la vidéo à quelqu'un. Et envoie-moi les cœurs. Envoyons les cœurs. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous et recevez la double portion de tout ce que le Saint-Esprit va opérer aujourd'hui. Je crois en Dieu. Je crois qu'un miracle vient vers toi. Je crois que Dieu te surprendra. Je crois qu'il te donnera la clé dont tu as besoin. Tu as tes enfants, ils sont en Europe, je ne sais pas où. Leur vie, ça ne donne pas. Leur carrière, ça ne donne pas. Leur profession, ça ne donne pas. Les études, s'il te plaît, envoie-leur la vidéo. Appelle-les, dis-leur. Connectez-vous à la page du prophète Ferdinand Ekané. Il est en direct maintenant. Il va prier pour les clés et l'ouverture des portes fermées. Nous irons de gloire en gloire par le nom souverain de Jésus. S'il vous plaît, partageons la vidéo pour que le nombre de connectés puisse augmenter. On n'a même pas encore atteint 200. Partageons la vidéo, s'il te plaît. Prends un temps, envoie les cœurs et partage la vidéo dans le nom souverain de Jésus-Christ. Je ne vois pas encore les cœurs comme cela se doit, les pouces bleus, les cœurs. Aimons, likez la vidéo, s'il vous plaît. Prenons un temps et likons la vidéo d'abord pour qu'un maximum de personnes puissent accéder à la vidéo et que Facebook puisse recommander la plateforme. Voilà. Donc, likons tout le monde, s'il vous plaît, appuyons tout simplement sur j'aime. Appuyons sur j'aime, sur le cœur, le pouce bleu. Au moins des pouces bleus et partageons la vidéo. Partage au moins à 10 personnes. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. J'attends que ça monte. Voilà, on a 200 et il faut qu'on aille encore plus. On doit aller au-delà de 200. Allons-y, au-delà de 200, s'il vous plaît. Allons-y. Ok, partage la vidéo. Parce qu'on va faire... On doit prier pour toi ce matin. Dieu doit te donner l'ouverture dans ton mariage, la vie maritale. Vraiment, si la porte est fermée, mon ami, même si tu es marié, tu vas souffrir. Ce que je vous dis, c'est très sérieux. Prenez ça très au sérieux. C'est des principes spirituels, du combat spirituel. Donc quand je vois les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu qui ne croient pas au combat spirituel, je leur dis qu'ils ne comprennent pas dans quel royaume nous sommes. Ils ne savent pas dans quoi nous sommes engagés. Mes amis, nous sommes dans un grand champ de bataille. Donc like la vidéo et Dieu te bénit. Mets-moi en commentaire tel domaine, finance. Voilà, ouverture de porte dans mes finances, ouverture de porte dans mon mariage. Même si tu es marié et tu ne jouis pas de ton mariage. Pourquoi tu ne jouis pas de ton mariage? C'est qu'il y a une force qui t'empêche d'accéder au bonheur dans ton mariage. Il faut une clé pour ouvrir. C'est des mystères en fait. Tout le long de ce mois, des enseignements profonds vous seront prodigués. Des enseignements puissantissimes. Voilà pourquoi je te dis qu'il est important d'avoir ton cahier, ton bic pour comprendre ces choses. Parce que c'est un peu des choses, je vais entrer dans les étymologies hébraïques et grecques pour vous aider à comprendre mieux les Saintes Écritures. Parce que parfois, il y a des choses qu'on enseigne, bon, comme des gens, la Bible en français, ils ne comprennent pas bien la quintessence, la perspicacité des mots, la déontologie, la sémantique. Des mots, vous voyez, parce que le français est une langue qui est très pauvre par rapport au grec et à l'hébreu. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses que le français n'exprime pas vraiment bien. Il faut aller dans le grec pour aller jusqu'aux souches, aux racines et comprendre la racine même du sens spirituel de certains versets bibliques. Voilà, on a dit Gérard qui dit ministère, spiritualité, finance, mariage, amen, Dieu vous exauce. Ouverture de portes dans mes finances. Voilà, on a Boiseau qui dit God bless you, ok. Evelyne. Et toi qui dis ouverture des portes dans la vie de mes enfants. Amen. Voilà. Dieu le fera au nom souverain de Jésus. Tout à l'heure, je veux prier. Je veux les de mon ministère, mariage et finances. D'accord. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mets ton sujet de prière, s'il te plaît. Mets ton sujet de prière. Et Dieu se manifestera puissamment dans ta vie, en ta faveur.
Tout ennemi de ta vie, toutes portes qui ont été fermées vont s'ouvrir au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Les habitants de Berthois, je serai à Berthois ce dimanche à partir de 7h30, ancienne SCT, Mokolo 1 à Berthois. Ne manque pas ce programme. Ta vie changera jamais. Viens avec ta clé. Viens avec ta clé. Et ce dimanche à Yaoundé, dans toutes nos églises, viens avec ta clé. Nous allons prier. Nous posons un acte prophétique fort. Et Dieu menacera le dévoreur dans ta vie. Vraiment, je pense que Dieu doit te faire être établi dans la gloire. Tu as droit à la gloire. Nous régnons, ça nous persévérons avec Christ. Nous régnons aussi avec lui. Donc, ça veut dire que d'un côté, c'est la persévérance. D'un autre côté, c'est la gloire, c'est le règne. Que Dieu te donne de régner au nom souverain de Jésus. Que Dieu te donne de régner. Dans ta famille, on doit te respecter. Dans ton lieu de travail, on doit voir la gloire de Jésus-Christ sur toi. On doit voir la main de Dieu sur toi. Oui, ça, c'est ton époque, ta saison que je suis venu ouvrir. Donc, partage la vidéo. Maintenant, je voudrais que les gens comprennent. À Douala, voilà, à Douala, par la grâce du Seigneur Jésus, je vais annoncer comme ça à tous les habitants de Douala, la semaine qui est en train de venir, j'ai un grand programme avec les gens de Douala. Nous avons un puissant programme du côté de Douala. Nous sommes en septembre. Voilà, à Douala, du mardi 13. Mardi 13 au vendredi 16 septembre, tous les soirs du mardi au vendredi, non, du mardi, de mardi à jeudi, mardi, mercredi, jeudi, tous les soirs à 17h, je suis à Douala, j'invite tous les habitants de Douala, derrière l'immeuble Kamler, à ne pas manquer. Bien-aimé, je t'en prie, s'il y a quelqu'un que tu connais qui souffre, mais qui ne souffre pas, pas seulement ceux qui souffrent, mais il y a quelqu'un que tu sais qui se bat dans ce domaine de sa vie, mais ne réussit pas, envoie-lui ma vidéo. Je veux prier avec la personne. Nous servons le Dieu des miracles. Dieu va ouvrir les portes de la vie de cette personne. Elle va commencer à réussir. Hein? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu va te donner un mariage glorieux. La Bible dit, il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tu as droit au bonheur. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est condamné à la pauvreté. Je refuse ce christianisme-là. Non, je suis le sel de la terre, la lumière du monde. La Bible dit, Umeis este, tophos ton kosmoun. Vous êtes la lumière du monde. Et dit Umeis este, tes alas tes ges. Vous êtes le sel de la terre. Ma vie doit donner le goût de vivre à d'autres personnes, pas le dégoût de vivre. Donc, Douala, du 14 au 16, du 14, du 13, du 13 au 15, mardi le 13, mercredi le 14, jeudi le 15, tous les soirs à partir de 17h, nous serons à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamler. Et vendredi le 16, c'est la grande nuit des flammes du côté de Douala. Je serai présent à la nuit des flammes. Donc, je commence le programme avec Douala de mardi à vendredi. De mardi à jeudi, tous les soirs à 17h. Et vendredi, 21h pour la nuit des flammes. Voilà, Douala sera béni. Dieu te donne les clés des finances. J'invite les commerçants, vous êtes commerçants, hommes d'affaires, ne manquez pas ce programme, je vous en supplie. Par les compassions qui sont en Christ Jésus. Je vous en prie. Venez, vous êtes à Yaoundé, ce soir, soit en Kouaban, à la Bille, quand vous êtes au Carrefour Kouaban, demandez tout simplement à un taximan ou à une moto de vous amener à la Bille, tout le monde connaît là-bas, à Réma, à la Bille. Venez, Dieu va te donner l'ouverture dans tes finances. On va faire des alliances financières avec Dieu le mois-ci. On va faire des alliances financières avec Dieu, des alliances puissantes avec Dieu. Maintenant, il y a tellement de choses qui se passent dans ta vie. Tu es bloqué à gauche, bloqué à droite. Homme de Dieu, ce que je fais, ça ne va pas. Je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas des païens. Je parle des chrétiens. Homme de Dieu, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je veux donc te donner le secret. Je te donne le secret maintenant. Sois connecté. Je te donne le secret. En fait, il y a des choses qui se passent derrière le rideau que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Partage la vidéo, pardon. Envoyez-moi les pouces bleus et les cœurs. On est à plus de 300 personnes. Il y a des choses qui se passent que tu ne connais pas. Or, si tu n'as pas la connaissance, tu seras bloqué. Tu n'as pas la connaissance, tu seras délivré comment? Donc, j'ai expliqué que vous savez que dans Matthieu chapitre 4, la Bible parle de la guerre dans le désert entre Jésus-Christ et Satan. Ce n'était pas les épées qu'ils ont utilisées. Ce n'est pas les bombes atomiques ou bien nucléaires qu'ils ont utilisées. Ce n'est pas des armes bactériologiques qu'ils ont utilisées. Ce n'est pas des chars qu'ils ont utilisés. Non, c'était une guerre de il est écrit. Ça veut dire la connaissance en fait. Tant que tu ne maîtrises pas le champ de bataille, tu perdras tes batailles. C'est une histoire de connaissance, tout simplement. Si tu as la connaissance, tu écoutes ce que je t'enseigne ici, ça va t'ouvrir les portes. Cette connaissance-là, c'est elle les clés.
Jésus-Christ a dit, Tengo nosos enten aletheia. Kaite aletheia le toroseis umas. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc, la clé, c'est la vérité. Tes yeux doivent s'ouvrir. Si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne verras pas. Tu ne seras pas libre. Et pour être libre, il faut connaître. Et ce qui tue les chrétiens, c'est qu'ils ne cherchent pas la connaissance. Aujourd'hui, tu dois connaître. Tu dois connaître. Connais-toi toi-même d'abord. Connais qui tu es en réalité. Et connais le Dieu que tu sers. Si tu paniques dans ta vie à cause de certains problèmes, parce que tu traverses certaines difficultés dans ta vie, ça veut simplement dire que tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas quel Dieu tu sers. Si tu sais qui est ton Dieu, tu n'auras pas peur de certaines choses. Tu sauras que ton Dieu est plus fort, que ça en fait la panique, la peur, les plaintes, les pleurs, les larmes. Tout ça, c'est un manque de foi de la part du peuple de Dieu. Donc, tu dois comprendre. Il y a donc des choses qui se passent derrière le rideau que je voudrais te révéler. Il faut que tu comprennes cela. J'ai expliqué à l'église hier que moi, par exemple, il y a les enfants qui ont les couches de nuit. J'avais aussi les couches de nuit. J'avais des quand on parle de la masturbation, j'ai souffert de la masturbation pendant des années. Mais après, mes yeux se sont ouverts, en fait. Mes yeux se sont ouverts. Après, j'ai compris la vérité. J'ai connu la vérité. J'ai connu la vérité. La vérité m'a affranchi. Aujourd'hui, il n'est plus possible. Il n'est plus possible. Il n'est plus possible que j'ai des couches de nuit. Il est impossible que j'ai les couches de nuit. Pourquoi? Je connais déjà comment vaincre ce démon. La connaissance l'est venue à moi. Donc j'ai prié. Les couches de nuit ne se sont pas arrêtées. J'ai jeûné. Les couches de nuit ne se sont pas arrêtées. Vous allez remarquer, mes amis, la délivrance, ce n'est pas le jeûne et la prière. Non. Le jeûne et la prière sont des aides, en fait. Sont des aides. Mais le jeûne ne peut sauver personne. La prière ne peut délivrer personne. La prière sans connaissance est récitation. Le jeûne sans connaissance est abstinence. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, connaître Dieu, connaître les clés du royaume, les mystères du royaume, c'est ça qui va t'apporter la délivrance. Face à chaque problème, tu auras déjà la solution. J'ai expliqué un mystère hier et je vais revenir là-dessus pour que les gens comprennent bien. J'ai dit que le christianisme, le règne dans lequel nous sommes, c'est un royaume, c'est un règne. Il y a des choses qui se passent dans le monde invisible que la Bible nous a présentées, mais que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas cela. Les chrétiens sont habitués au fait que, quand on dit que, ok, posséder la porte de ses ennemis, on vient seulement à l'église, on dit, reçois au nom de Jésus, la porte de tes ennemis est ouverte, je casse avec la matière, je casse avec la hache, entre au nom souverain de Jésus-Christ. En fait, en réalité, c'est une folie. Il faut que vous grandissiez. N'attendez pas seulement des proclamations prophétiques. Oui, reçois au nom de Jésus. Tu es la tête et non la queue. Tu ne deviens pas la tête et non la queue parce qu'un pasteur a proclamé ça dans ta vie. Mais parce que tu respectes les principes bibliques qui font de toi la tête et non la queue. On ne vous dit pas ça. C'est ça qu'on ne vous dit pas en réalité. Tu n'ouvres pas la porte fermée de ta vie parce qu'on a proclamé que, au nom de Jésus de Nazareth, que les portes de ta vie soient ouvertes. Ça, c'est une vérité. Le fait qu'on ait proclamé, c'est une bénédiction. Mais il y a autre chose. L'important même, c'est ça que les chrétiens négligent. Il y a un travail de fond que tu dois faire. Il y a une connaissance que tu dois posséder pour ouvrir cette porte-là. Quand on a proclamé, maintenant, on t'a enseigné la parole, va appliquer ce qu'on t'enseigne. Et comment tu vas vaincre dans un monde que tu ne connais pas? Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme des habitants d'une maison qui ne maîtrisent même pas leur propre maison. Tu ne connais pas comment le royaume de Dieu est structuré. Tu ne sais pas les mystères qui sont dans le royaume de Dieu, ce qui fait la puissance de ce royaume et ce qui fait la puissance d'un chrétien. Vous voyez, Jésus-Christ va aller jusqu'à dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Mais sincèrement, pourtant, tout nous est impossible. Nous sommes bloqués à gauche, à droite. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Voilà pourquoi le moi, s'il faut que tu t'avises, que tu aies ton cahier, tu aies ton bic pour prendre les notes. Parce que les choses que je te donne, c'est les choses qui me font. Beaucoup de gens disent que je suis un sorcier. Le prophète Ferdinand, c'est un sorcier. Non, il ne peut pas réussir comme ça là. Et il y a des hommes de Dieu qui sont venus me voir pour me poser la question de savoir, est-ce que le succès que tu as là, est-ce que c'est toujours le même ministère que nous faisons? Est-ce que c'est toujours la même chose que nous faisons? C'est le même Dieu qu'on sait. C'est le même ministère dans le même pays. Nous, on fait la même chose que tu fais là, ça nous dépasse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, c'est les clés. Je vous donnerai les clés. Je passe ma vie à chercher Dieu, mes amis. Je passe ma vie à chercher la vérité de Dieu. Je passe ma vie à découvrir les mystères du royaume, les mysterious tes basilea. Je cherche à comprendre ce que ma génération ne comprend pas. Je sonde les Écritures pour comprendre Dieu, pour comprendre les vérités cachées dans son royaume, pour comprendre comment le monde fonctionne, comment le combat spirituel fonctionne.
Et plus je cherche, plus je trouve. Parce qu'il est écrit, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'homme vous ouvrira. Donc, je frappe. Quand tout vient pas, je frappe, on m'ouvre. Et on me révèle les secrets. Et ça me donne la victoire. Je sais que si je tape ici, là, voici la conséquence, je frappe ici, voici ce que je vais avoir. Mais un enfant de Dieu qui n'a pas d'intelligence, la Bible dit que l'âne connaît son possesseur et le bœuf, la cruche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Dans Ésaïe 1, verset 3. Et Jésus ira même jusqu'à dire que les fils de ce siècle, c'est-à-dire les païens, sont plus intelligents que ne le sont les fils du royaume. Pourquoi? Parce que nous qui sommes du royaume, nous ne voulons pas travailler. Tu ne peux pas te casser la tête pour apprendre, afin de connaître et de grandir. Donc, un enfant de Dieu sans connaissance est un esclave. Et l'apôtre Paul l'a bien illustré dans Galates 4, verset 1 à 2. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il n'est pas différent d'un esclave. Il ne diffère en rien de l'esclave. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est sous des tuteurs, ça veut dire qu'il est subjugué en fait. Il est subjugué. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont sous tutorat. Tutorat de sorcellerie, tutorat de célibat, tutorat de maladie, tutorat de blocage, tutorat d'échec, tutorat de célibat, etc., etc., etc. Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Mais ces choses ne devraient pas dominer sur toi. C'est toi qui devrais les dominer en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Maintenant, hier j'ai essayé d'expliquer quelque chose, je vais revenir là-dessus. J'ai parlé du combat qui nous oppose à Abaddon, l'ange de l'abîme. Abaddon, l'ange de l'abîme. Abaddon ou Apollyon, l'ange de l'abîme. Et je veux revenir encore là-dessus. Nous avons étudié, c'était dans Apocalypse chapitre 9. On a juste pris le verset 10, le verset 12. Alors, lorsque vous lisez bien Apocalypse chapitre 9, écoute-moi bien. Parce que ce que je t'ai dit, c'est très sérieux. Ça entre déjà dans l'eschatologie. J'entends l'eschatologie. Dans Apocalypse chapitre 9, quand on lisait Apocalypse chapitre 9, la Bible parle d'une histoire terrible. Elle parle de quelque chose d'effrayant. D'Apocalypse chapitre 9. Donc, dans ce passage, vous allez vous rendre compte que du verset 1 au verset 2, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre. Et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur les fronts. Il leur fut permis, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Les tourments qu'elles causaient étaient comme celui causé par les scorpions quand ils piquent un homme. Durant ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions et c'est dans leurs queues que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici que deux malheurs viennent encore après cela. Donc maintenant, lorsque nous lisons ce passage ici des Saintes Écritures, vous lisez en français, vous n'allez pas comprendre certaines choses. Vous n'allez pas comprendre certaines choses. Mais si nous retournons dans le texte grec, désolé, ma Bible grecque est en train de télécharger. C'est aussi ça, je ne sais pas, ma Bible, le livre même, je l'ai laissé à la maison. Donc maintenant, vous voyez, lorsque vous lisez ce passage des Saintes Écritures, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque vous lisez ce passage des Saintes Écritures, la Bible explique clairement que il y a eu au cinquième ange la trompette qui a sonné. Écoute-moi bien, c'est un secret que je te donne pour vaincre l'enfer. Écoutez bien ça. Écoute bien. Oh là là. Merci Seigneur. Écoutez bien, écoutez, c'est très compliqué, un peu technique ce que je veux dire là. Mais il faut bien m'écouter pour bien comprendre ce que je suis en train de vouloir dire. Dans
le passage, il va expliquer. Ça, c'est quelle version encore du grec que j'ai prise là. Donc, la Bible explique clairement ici, les Saintes Écritures, voilà. Je suis là, c'est bon maintenant. Je vais prendre Apocalypse chapitre 9. Donc, la Bible explique que l'abîme a été ouvert. Lorsque l'abîme a été ouvert, il y a eu des sauterelles qui sont sorties de l'abîme. Et quand ces sauterelles sont sorties de l'abîme, il y a eu comme Bon, ces sauterelles, la Bible va nous décrire comment elles étaient. Mais ce qui va m'intéresser et que tu dois bien écouter, pardon, il faut bien écouter ce que je veux dire. C'est ce que la Bible dit. Ekusin ep auton basileia ton agelon tes abus. Écoutez bien. Et elles avaient pour roi sur elles ton agelon tes abus, l'ange de l'abîme. Abus. On parle de abus. Abus, c'est l'abîme. Abus qui va donner aussi Ado, qui n'est pas différent de Ado. Écoutez bien. Abus veut dire l'abîme. Les abîmes profonds, les abîmes sans fin. Donc, elles avaient pour roi sur elles l'ange de l'abîme. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis encore sorti. L'ange de l'abîme. Bon, maintenant, lorsqu'on parle de l'ange de l'abîme, ici, dans les Saintes Écritures, ça va vous rappeler quelque chose. Ça va nous rappeler quelque chose que Jésus-Christ nous a dit. Elles avaient sur elles un ange qu'on appelle l'ange de l'abîme. Agelos Abusu, l'ange de l'abîme. Écoutez bien. L'ange de l'abîme. Ekusin ep auton basileia ton agelon tes abusu. Elles avaient comme roi sur elles l'ange de l'abîme. Onoma auto hébraïsti Abaddon. Son nom en hébreu c'est Abaddon kai en te elenike. Onoma ekei Apolluon. Et en grec, son nom c'est Apolluon. Bon, maintenant, la Bible parle de l'ange de l'abîme. Lorsqu'on parle de l'abîme, le nom Abaddon d'abord. Abaddon. Vient de l'hébreu Abaddon. Abaddon. Abaddon veut dire l'abîme, un puits profond sans fin. C'est ça, Abaddon. Ou bien Abaddon voudra aussi dire le séjour des morts, etc. Tandis que en grec, Apollyon. Apollyon signifie le destructeur, l'ange de la destruction, ou bien l'ange de la mort. L'ange de la mort. C'est ça, Abaddon. L'ange de la mort. Et vous savez que dans la mythologie grecque, Apollyon, c'est le dieu de la mort, en fait. Hein? C'est l'ange de la destruction. L'ange qui apporte la catastrophe, qui tue, qui fait du mal à l'humanité. Donc, il y a un rapport entre Abaddon et le séjour des morts. Il y a un rapport, automatiquement, entre Abaddon et le séjour des morts. Et j'ai expliqué donc ceci. Parce que lorsque vous regardez, c'est un texte eschatologique. Ça veut dire que quand vous lisez Apocalypse, la description que nous avons ici, celle que nous avons lue au chapitre 9 ici, fait allusion à quelque chose qui va venir. C'est des événements qui vont arriver. Mais cependant, la Bible ne se décrit pas seulement ou ne s'explique pas par un seul passage, mais par tous les passages corrélationnels qui traitent du même sujet. C'est un peu ça, la théologie. C'est une façon d'interpréter la Bible en théologie. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La Bible explique qu'il y a un abîme et puis il y a des êtres démoniaques qui sont sortis. C'est des esprits maléfiques, c'est des démons en fait, qui sortent de l'abîme pour faire du mal aux hommes qui n'ont pas la marque de Dieu sur leur front. Voilà. Donc, c'est ça leur mission, faire du mal aux hommes qui n'ont pas la marque de Dieu. Bon, maintenant, même dans nos églises, nous avons les hommes qui n'ont pas la marque de Dieu. Tu peux être un chrétien, mais tu n'es pas vraiment sauvé, tu n'es pas né de nouveau, ton nom n'est pas écrit dans le livre de la vie éternelle. Donc avoir la marque de Dieu, ce n'est pas venir à l'église, mais c'est naître de nouveau sincèrement. Donc ici, dans le texte, dans le contexte d'Apocalypse, chapitre 9, la Bible parle d'une histoire eschatologique, quelque chose qui va arriver. Mais, si vous revenez maintenant dans l'enseignement que Jésus-Christ va donner, dans Matthieu 16, à partir du verset 17 même, Jésus-Christ va dire quelque chose à l'apôtre Pierre, il lui dira, Lego otis sues Petros, entaute te Petra, ou ekodomes omouten ecclesia. Moi je dis que tu es Pierre, je suis roc, je bâtirai mon église. Kai poulaï ado katiskoususin autes. Et dit, et les portes de l'enfer, du Hadès. Les portes du Hadès ne prévaudront point contre mon église. Maintenant qu'on parle de poulaï ado, qui veut dire Hadès. Et Hadès, c'est Abaddon, ça veut dire l'abîme. Ce qui a donné Sheol aussi en hébreu, qui veut dire le séjour des morts ou bien l'abîme. Donc vous allez trouver qu'il y a une corrélation entre la porte de l'abîme qui a été ouverte
et où Abaddon est sorti avec les sauterelles, avec son armée. Et il faut aussi comprendre une autre chose, les descriptions apocalyptiques ne sont pas littérales, elles sont figurées, elles sont symboliques. Il y a toujours des symboles. Il faut interpréter cela. Il faut comprendre, avoir l'intelligence et interpréter, comprendre exactement. Donc, Jésus-Christ, la première chose qu'il va donner à l'Église, c'est la clé. La clé de quoi? La clé pour contrôler quoi? Il dit, et les portes du séjour des morts. Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 9, vous allez voir que la relation entre le séjour des morts et ses portes, il y a Abaddon en fait. Le roi du séjour des morts, c'est qui? C'est Abaddon. C'est Abaddon, l'ange de la destruction qui a pour rôle de tuer les hommes, faire du mal aux hommes. Donc dans Apocalypse chapitre 9, la Bible décrit un événement qui va arriver. Mais dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17, la Bible, Jésus-Christ fait allusion à une réalité du combat spirituel aujourd'hui. Là, ce n'est pas un événement qui va arriver après l'enlèvement. Non. Là, Jésus décrit la réalité, c'est-à-dire l'ennemi principal de l'Église qui est le séjour des morts et les portes du séjour des morts. Et Jésus dit que « Kai poulai ado katisususin autes » « Katisususin » en grec veut dire qu'il y a eu une guerre féroce, une guerre farouche. Il y a eu une guerre farouche, mais cette guerre, on ne l'a pas perdue, on l'a plutôt gagnée. Donc, les portes du séjour des morts que Jésus dit, qui ne prévaudront jamais sur son église, sont réelles, sont maintenant, ce n'est pas dans l'avenir. Ces portes-là te combattent maintenant, combattent son église aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Demain, après l'enlèvement, il n'y aura plus d'église sur la terre. Donc, c'est aujourd'hui que les portes du séjour des morts combattent l'église. Après l'enlèvement, il n'y aura même plus de morts. Parce que la mort et le séjour des morts seront jetés en enfer et n'auront plus rien à voir avec l'église. Il n'y aura pas de guerre entre le séjour des morts et l'Église après l'enlèvement. Non, la guerre entre le séjour des morts et l'Église, c'est deux puissances. C'est aujourd'hui que cette guerre est en train de se passer, avant l'enlèvement. Maintenant, il faut comprendre une chose. Comprenez bien, j'ai dit que ce que j'explique là est un peu, la technicité théologique est un peu compliquée. Donc, il y a une guerre aujourd'hui entre l'Église et les portes du séjour des morts. Voilà pourquoi Jésus-Christ va commencer par donner d'abord une clé pour nous permettre de contrôler la porte de la mort et du séjour des morts. Il dit, Dosso soidas cleidas tes basiliaton orano, je te donnerai les clés du royaume des cieux. O ayant deses epites ges estai de demenon en tois orano, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. O ayant luces epites ges estai de demenon en tois orano, et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Maintenant, comment oublier qu'il a d'abord dit au préalable qu'il y aura guerre entre l'Église et le séjour des morts et les portes du séjour des morts. Mais les portes du séjour des morts ne vaincront jamais l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église ne sera pas vaincue? Parce que Jésus lui laisse les clés. Et il le dira dans Apocalypse qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Et nous a remis ces clés. Ces clés appartiennent maintenant au royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, représenté par Jésus-Christ, a vaincu la mort et le séjour des morts. Et la victoire de Christ sur la mort et le séjour des morts, il nous l'a donné. Et la clé des morts et du séjour des morts qu'il a vaincu, il l'a donné en héritage à son Église. En fait, il a combattu notre combat. Nous n'avons pas combattu son combat, c'était notre combat. Il a combattu à notre place, il a gagné, il nous a juste donné le trophée qui est la clé qui contrôle les portes du séjour des morts. Il faut que les gens comprennent cela. Maintenant, lorsqu'on parle du séjour des morts, les portes, kai poulai ado, quand Jésus parle des portes du séjour des morts, il faut encore comprendre en cela un symbole, un langage spirituel qui définit des réalités puissantes. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela? D'abord, il faut faire la corrélation entre Satan et Abaddon ou Apollyon. Qui est Abaddon et qui est Satan? Est-ce que Satan et Abaddon ou Apollyon forment une seule et même personne? Donnez-moi en commentaire votre réponse. Je laisse même une minute. Dites-le-moi en commentaire. Est-ce que Satan, selon vous, est-ce que Apollyon ou Abaddon, dans Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, c'est Satan, Shaitan, c'est-à-dire le serpent ancien? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire que c'est un sujet qui divise encore les théologiens aujourd'hui. Et il y a des théories jusqu'aux théories les plus folles qui existent en ce qui concerne la nature d'Abaddon ou Apollyon en grec. Il y a certains qui pensent, qui sont allés jusqu'à penser que c'est Jésus. Et voilà pourquoi j'ai dit que ça c'est de la folie en fait. Mais il faut comprendre une chose. Est-ce que Abaddon ou Apollyon, c'est Satan? Est-ce que c'est la même personne?
Il y a des théologiens qui pensent sincèrement que Abaddon ou Apollyon, c'est Satan en fait, le maître de l'abîme, le roi de l'abîme. Le roi de l'abîme, c'est-à-dire le roi de la mort et du séjour des morts. Il y a des gens qui pensent. Et il y a des théologiens qui ont expliqué qu'ils croient que Abaddon ou Apollyon et toutes ces sauterelles-là sont des anges au service de Dieu. Hein? Il y en a qui ont pensé cela, qui le disent, que c'est leur courant de pensée théologique, que Abaddon ou Apollyon, c'est un ange au service de Dieu. Donc c'est des anges, de bons anges et tout cela. Mais nous disons que ça ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce qu'à la fin, Abaddon et toute son armée seront jetés en enfer. Et la mort et le séjour des morts seront aussi jetés en enfer. Il faut que vous compreniez une chose. Quand on dit la mort et le séjour des morts, mon ami, si tu ne connais pas ces choses, tu n'auras pas de victoire dans le combat spirituel. C'est la connaissance qui va t'affranchir. Quand on dit la mort c'est un ange en fait. Et le séjour des morts, ce sont des anges. C'est une armée en fait. Leur rôle c'est de tuer, d'ôter la vie. C'est ça leur rôle. Et la Bible dit clairement qu'à la fin des temps, la mort et l'ange de la mort, et le séjour des morts, c'est-à-dire, quand on dit le séjour des morts, ce n'est pas une maison, hein, ce n'est pas une habitation. Le séjour des morts, c'est tous ces anges-là qui avaient été faits pour tuer les gens et ramener leurs âmes, voler les âmes des gens. Ils seront jetés en enfer, en fait. Ils seront jetés en enfer. Donc, certains pensent que Abaddon et Satan, c'est la même personne. D'autres personnes pensent que Abaddon est différent de Satan. Bon, mais il faut aussi comprendre cela. Et ça s'explique. Ça s'explique dans quel domaine, dans quelle mesure. Dans la mesure où on parle du puits qui est fermé, et puis on parle de l'ouverture du puits, et puis on parle d'Abaddon, de son armée qui sera libérée pour aller vers les hommes dans ce futur lointain. Et là, il ne s'agit pas de Satan. Dans ce cas-là, il s'agit de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'un autre esprit. Il s'agit d'une autre entité maléfique qu'on appelle Abaddon, et qui est le chef de l'armée dont il est le roi. Mais cependant, le problème se trouve à quel niveau? Le problème se trouve à quel niveau? Après, la Bible dira que Satan sera jeté en enfer, dans le puits, d'où Abaddon et son armée sont sortis. Satan sera jeté là-bas avec tous ses démons. Et quand Satan sera jeté à l'intérieur de ce puits-là, alors Abaddon sera où? Est-ce que Satan, c'est Abaddon? Non. Il y en a qui disent oui. Il y a des similitudes, vraiment, pour certaines raisons, on peut dire, c'est la même personne. Mais lorsqu'on va encore plus loin, on comprendra que ce n'est pas la même personne en réalité. Abaddon, c'est le roi du séjour des morts, le roi de l'abîme, et sa mission, c'est juste pour tuer les hommes. Et puis, le chef de la mort, le chef du séjour des morts et de la mort. Donc nous comprenons ça, c'est là. C'est-à-dire techniquement, lorsqu'on fait des corrélations entre les passages de la Bible, quand il pourrait y avoir les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église, et qu'il s'agisse d'Abaddon et de son armée, alors il faut comprendre que dans ce cas-là, Abaddon, ce n'est pas Satan. Abaddon, c'est la mort et le séjour des morts, le patron du séjour des morts. Mais la Bible explique clairement que la mort et le séjour des morts, distinctivement, seront jetés en enfer. Et que Satan lui aussi, avec ses démons, seront aussi jetés en enfer. Donc, à partir de cette description théologique, on peut dire clairement que Abaddon et Satan, en réalité, ne sont pas la même personne. C'est deux personnes différentes, chacune avec une responsabilité dans son domaine bien défini. Maintenant, la question qu'il faut donc comprendre, qui sera donc le patron de l'enfer? Ça, nous savons que c'est Satan. On le sait déjà. Le patron de l'enfer, ça sera Satan. Même si Abaddon est là-bas avec son armée, le patron de l'enfer, parce que la Bible appelle Satan le dieu de ce siècle. Donc ça veut dire que toutes ces choses-là, l'enfer, tout ça, il dominera. Donc, mais sur un plan spirituel, sur un plan symbolique, sur le plan de Matthieu chapitre 16, chapitre 16 à partir du verset 18 au 17, etc., Jésus-Christ nous avertit déjà qu'il y a une guerre entre nous et la porte du séjour des morts. Et les portes du séjour des morts. Il y a une guerre entre nous et Abaddon. Il y a une guerre entre nous et son armée. Il y a une guerre entre nous et les forces du mal, si vous le voulez. Il y a une guerre entre nous et les forces du mal. Ok, on a Vini Mouna qui dit non, ce n'est pas la même personne. Non. Non et non. Voilà, vous avez prêché sur l'envoûtement. S'il vous plaît, priez pour nous. On ne passe pas sur ça.
Donc, moi aussi, je veux les clés. Oui, les clés de l'enfer. On va prier ce matin. Dieu te donne les clés qui contrôlent l'enfer. Donc, maintenant, verset 2 personnes. Donc, maintenant, j'ai expliqué que bon, chacun a son point de vue. Allez dans les Saintes Écritures, faites vos recherches vous-même et vous allez trouver vos conclusions à vous. Je vous partage un peu les résultats de mes études. Maintenant, l'un des principaux ennemis des chrétiens, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est les portes de l'enfer. Kaipulai Adou. Ou Katsusi Aoutes. Il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon église. Ça veut donc dire quoi? Qu'elle cherche à prévaloir sur nous. Elle cherche à nous détruire. Elle cherche à nous anéantir. Elle cherche à nous engloutir. Et quand vous regardez, par exemple, l'histoire de Marie-Madeleine, vous allez trouver que Marie-Madeleine, sa famille, son petit frère, bon, son frère, la Bible ne dit pas si c'était le petit frère ou bien le grand frère, son frère a été tué, Lazare est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les portes du séjour des morts qui étaient en action. C'est ça la vérité, pour détruire leur famille. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a un combat spirituel qu'il ne faut pas nier. C'est-à-dire, on peut discuter sur les explications théologiques, mais on peut discuter sur la réalité qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a des puissances maléfiques qui cherchent à nous anéantir, qui cherchent à nous détruire, et qu'il y a une guerre entre l'Église et cette puissance-là, et ces forces invisibles. Et la clé donc nous sert à quoi? À contrôler et à soumettre ce monde maléfique, à contrôler et à soumettre les portes de l'enfer. Le rôle des portes de l'enfer, c'est de détruire ta vie. Détruis ma vie, détruis ton mariage, détruis ta santé, détruis tes affaires, détruis l'œuvre de ta main, anéantis ta vie, cherche à prévaloir sur toi. Mais la Bible dit que ceux qui possèdent la clé du royaume des cieux ne seront jamais, les portes du juge de mort ne prévaudront jamais sur eux. Ils ne prévaudront point. Point, c'est un adverbe qui marque un adverbe de négation qui marque la négation absolue, qu'on peut dire que c'est impossible. Celui qui a la clé, Jésus-Christ dit clairement que l'enfer ne peut pas dominer sur lui. La sorcellerie ne peut pas dominer sur lui. La franc-maçonnerie ne peut pas dominer sur lui. Dans tous les cas, les pratiques occultes ne peuvent pas dominer sur une telle personne. Et je prie que Dieu te donne la clé de la domination sur toute pratique occulte dans ton village, toute pratique de sorcellerie dans ton village, dans le nom souverain de Jésus. J'ai vu des gens dont la vie est contrôlée par les portes de l'enfer. J'ai vu des gens. Vous imaginez quelqu'un qui rêve. Quelqu'un qui rêve, j'ai connu des femmes qui ont par exemple dit qu'elles ont rêvé, on leur a dit dans le rêve, tu as le VIH, tu te lances le VIH. Elle était bien portante. Elle va à l'hôpital, elle fait le test, elle a le VIH. Ça ne s'explique pas sur le plan médical, mais dans le combat spirituel, ça se fait. C'est possible. Dans le combat spirituel, c'est possible. Ça peut se faire. Et beaucoup de personnes ont eu des maladies comme ça. Vous connaissez l'histoire que nous avons vécue ici à Yaoundé, c'était au palais des congrès, je me souviens. Une jeune dame qui est venue et elle a expliqué. Elle a rêvé, elle avait les couches de nuit. Elle a rêvé qu'on a couché avec elle et qu'elle est tombée enceinte dans les rêves. Le matin, elle fait le test de grossesse, c'est positif. C'est des choses réelles. C'est des actions menées par l'enfer, par le séjour des morts, les portes du séjour des morts qui cherchent à détruire les hommes, à anéantir les hommes, les faire vivre dans le malheur, dans la souffrance, dans la détresse, dans les pleurs, dans les échecs, dans les blocages, pour qu'ils oublient l'existence de Dieu et qu'ils prennent Dieu comme ennemi. Et donc Jésus-Christ nous a dit que nous avons reçu les clés qui nous donnent de soumettre les portes du séjour des morts, les portes des enfers. Donc c'est un combat spirituel en fait. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont attaqués. Vous voyez, parfois tu te couches, tu sens qu'il y a une main qui est en train d'appuyer au lit. Tu veux te lever, tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, tu es en train de lutter contre les portes de l'enfer. C'est ça la vérité. Oh, la nuit, ce n'est que les morts que tu vois. Ces choses-là, c'est les choses que l'enfer, les portes de l'enfer produisent dans ta vie. Tant que ces portes ne sont pas refermées, tu continueras à voir ça. C'est ça que je dis à l'église, qu'il est impossible aujourd'hui que moi, j'ai des couches de nuit, ou que je rêve que les fantômes, ou que je rêve des choses un peu bizarres, que j'ai des nuits fantasmagoriques, fantomiques, ou bien, je ne sais pas, des nuits morbides. Non, 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 non. Ça ne peut plus m'arriver. Parce que je connais, j'ai reçu les clés et je sais comment j'ai refermé les clés de l'enfer dans ma vie. Donc que Dieu te donne cette clé dans le nom souverain de Jésus, qui te donne la clé, reçois la clé. Maintenant, nous allons prier pour la réception des clés. Vous allez ressentir des puissants, la puissance de Dieu se manifester dans ta main. Tu vas juste tendre ta main comme ça vers ton écran de télé ou bien vers ton téléphone, etc. C'est un mystère qui va se passer dans le monde entier. Partout où ma vidéo est en train de passer maintenant, Dieu te donnera la clé.
Si les portes du séjour de mort avaient réussi à fermer ta vie sentimentale ou ton mariage pour apporter la destruction, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, ce n'est pas possible. Tout esprit de mort contre ta vie, toute implication du séjour de mort dans ton malheur, ta situation, le séjour de mort sera vaincu et repoussé loin de ta vie. Et ta carrière, ton chemin, ta destinée seront ouvertes devant l'Éternel dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux quelqu'un qui dit « Seigneur, je veux la clé. » Père, donne-moi la clé du séjour de mort. Donc, avant de prier sur la réception des clés, et j'ai dit les mystères vont se passer. Il y a un mystère puissant qui va se passer. Et ce soir, sois connecté en direct. Si tu n'es pas abonné à ma page, profite, tu t'abonnes. Envoie la vidéo à quelqu'un. Envoie-moi des cœurs et des pouces bleus. Invite quelqu'un immédiatement pendant que je parle pour que la personne reçoive aussi sa clé. Que la personne reçoive sa clé. Toute personne qui est combattue par l'enfer, par les portes du séjour des morts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la clé maintenant. Reçois la clé au nom puissant de Jésus. Reçois ta clé, reçois la clé. Tout domaine de ta vie où les portes du séjour des morts t'ont barré la voie et vomissent la malédiction sur toi, vomissent la souffrance, l'échec, les pleurs, les blessures, la déception, les contusions, dans le nom souverain de Jésus. Reçois les clés pour contrôler les portes du séjour des morts maintenant. Père, je prie que les clés soient libérées. Père, tu nous as donné ces clés. Que leurs yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent pour découvrir ces clés au nom souverain de Jésus. Que l'Éternel fasse apparaître des clés. Tu vas ressentir des clés dans ta main. Des gens vont sentir soit des clés ou des bruits des clés, des cliquetis des clés dans le nom puissant et souverain de Jésus. Père, je prie que le mystère des clés se manifeste partout sur direct en train de passer. Ceux qui suivent maintenant, ceux qui suivront après, dans la foi, Seigneur, que le mystère des clés leur soit révélé. 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 Dans le nom souverain de Jésus, reçois la clé, reçois la clé. Qu'elle t'apparaisse maintenant. Dans tout domaine de ta vie où tu as été embrigadé, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, reçois la clé, ouvre la porte et sors. Ouvre la porte et sors. Ouvre la porte et sors. Sois libre, sois libéré. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, que la domination d'Abaddon cesse dans ta famille. Que l'ange de la mort soit anéanti dans ta famille au nom souverain de Jésus de Nazareth. Au nom puissant et souverain de Jésus, Père, manifeste ta gloire. Que les clés soient révélées. Reçois les clés dans ta vie sentimentale. Reçois les clés dans ta carrière. Reçois les clés pour voyager. Reçois les clés pour le travail. Toi, homme d'affaires, femme d'affaires, commerçant, reçois les clés dans ton business, dans le nom précieux souverain de Jésus. Aucune porte ne te résistera. Aucune porte ne demeurera fermée devant ta vie. Toute porte devant toi est ouverte. Tu l'ouvriras. Tu l'ouvriras. Tu parleras et la porte s'ouvrira. Tu parleras et la porte s'ouvrira. Reçois le pouvoir dans ta bouche. Que cette clé touche ta bouche maintenant. Qu'elle soit dans ta bouche. Tout ce que tu diras arrivera. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Reçois les clés. Reçois les clés. Reçois les clés. Père, répands les clés dans ton peuple. Tu connais, Seigneur, les blocages dans nos vies. Tous les domaines bloqués. Père, nous déclarons les clés. Nous recevons les clés dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je témoigne en ta faveur que les clés sont avec toi au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Partout où tu as déposé les dossiers, où c'était bloqué, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans des sociétés, au nom souverain de Jésus. Dans le ministère, reçois les clés des affaires. Reçois les clés pour ces dossiers. On va t'appeler. On va t'appeler au nom de Jésus. Avant la fin de ce mois, tu reçois un miracle. On t'appelle parce que la porte qui était fermée vient d'être ouverte. Reçois le contrôle sur les portes fermées de ta vie. Ouvre-les et ferme-les à ta guise. Elles n'ont plus de pouvoir sur toi. Elles viennent de perdre leur autorité sur toi. L'enfer vient de perdre sa domination sur ta vie. La sorcellerie vient de perdre sa domination sur toi. Les portes de la franc-maçonnerie, les portes de la Rose-Croix, les portes du Sakyamuni, les portes de toute autre secte pernicieuse de pratiques maléfiques viennent de perdre leur autorité sur toi. Les portes du satanisme viennent de perdre autorité sur ta vie. Les portes du péché viennent de perdre autorité sur ta vie. Les portes de la sorcellerie viennent de perdre autorité sur ta vie. Reçois les clés pour contrôler toutes ces portes. Et dis, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Ce pouvoir, c'est la clé. Et cette clé, c'est elle que tu reçois maintenant. Seigneur, dépose les clés dans nos mains. Et nous contrôlons toute porte maléfique qui agit contre nos vies dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tes portes fermées sont ouvertes. Je les vois ouvertes. Tu dis Amen en commentaire et ça arrive. Je les vois ouvertes. Je les vois ouvertes. Je les vois ouvertes. Je les vois ouvertes. Dans le nom de Jésus. Je les vois ouvertes. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Elle vient de s'ouvrir. Elle vient de s'ouvrir. J'entends un témoignage. J'entends le cri d'un témoignage puissant dans ta vie. J'entends le cri de joie dans ta vie, dans ta famille. Je vois une bonne nouvelle revenir. Je vois les bonnes nouvelles revenir. Je vois les bonnes nouvelles revenir. Reçois des bonnes nouvelles. Ce mois de septembre est un mois de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, bonnes nouvelles. Un mois de bonnes nouvelles pour toi et ta vie, ta famille, tes enfants. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Bonnes nouvelles, reçois des bonnes nouvelles. Avant la fin de cette journée, je prophétise que tu recevras une bonne nouvelle. Une nouvelle qui réjouira ton cœur. Une nouvelle qui affermira ta foi, qui t'encouragera. Dans ta foi, aimez le Seigneur. Reçois une bonne nouvelle au nom de Jésus. Toute conspiration de tes ennemis contre toi, retourne sur eux dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois une bonne nouvelle. Oh, je vois la bonne nouvelle. Un ange avait une bonne nouvelle pour toi. Un ange avait une bonne nouvelle pour ta famille. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je voudrais te dire, par la grâce de Jésus, ce mois-ci, nous sommes en train de porter des actes de folie devant le Seigneur. Pour tous mes abonnés qui sont connectés, qui veulent poser cet acte, demain je vais revenir en long et en large sur cela. Je vais mettre le numéro ici. Méfiez-vous des gens qui vous envoient des invitations en mon nom sur Facebook et qui vous demandent des offrandes. Ou bien qui vous donnent des prophéties. Je ne prophétise pas sur les gens sur Facebook. Faites attention, ils vous demanderont l'argent. Et ils vont vous vendre l'huile de faveur en direct et sur Facebook. Vous proposez des articles spirituels, c'est des voleurs. Le prophète Kane Ferdinand n'a jamais demandé 5 francs à personne sur Facebook. Jamais. Jamais de la vie, je ne le ferai jamais. Donc ce sont des voleurs. Il y a tellement des arnaqueurs. En mon nom, des faux comptes, en mon nom. Méfiez-vous, ce sont des arnaqueurs. Quiconque se présente devant vous, comme prophète Kane Ferdinand, et vous demande de l'argent, c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Voilà les miracles qui accompagnent les faux comptes en mon nom. Donc méfiez-vous. Toute personne qui vous demande quelque chose, quoi que ce soit, même si c'est seulement un cheveu, je ne sais pas, un bic, un crayon, sachez que ce n'est pas moi. Je ne demande rien à personne. Je ne l'ai jamais fait depuis que j'ai commencé le ministère. Et je ne le ferai jamais jusqu'à ma mort. Et que Dieu m'en garde, qu'il m'en préserve. Donc les portes sont ouvertes. Tu vas remarquer une chose en ce mois de septembre. Voici ce qui va arriver dans ta vie. Où on t'avait rejeté, on va te chercher. Les gens qui t'avaient méprisé vont te rechercher. Les faveurs qu'on t'avait refusées, on va t'appeler pour te les redonner. Parce que quand la porte est ouverte, la faveur vient, la bénédiction vient, la prospérité vient, la gloire vient, la joie est rétablie. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth, reçois, 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 reçois au nom souverain de Jésus de Nazareth. Oh, je veux quelqu'un qui dise Amen. Reçois, tu iras de gloire en gloire, de bonne nouvelle en bonne nouvelle. Oui, de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Parce que lorsque les portes de l'enfer sont refermées, oulala, ta vie peut respirer, elle peut souffler à nouveau. La gloire est ton partage. Dans tous les domaines de ta vie, ton champ de prédilection, l'Éternel te donne des opportunités pendant ce mois de septembre. Il y a des gens qui vont pleurer de joie. Il y a des gens qui vont pleurer de joie, pleurer de joie, pleurer de joie. À cause des bonnes nouvelles que Dieu leur donnera. Ta vie sentimentale, Dieu va restaurer de gloire en gloire. Tes projets de gloire en gloire. L'échec ne sera plus notre partage. Nous disons au revoir à ces choses. L'échec ne sera plus notre partage. Et méfiez-vous des arnaqueurs. Ils vous font des appels vidéo. On fait des appels vidéo. On prend mes images où je fais les directs. Ils prennent les images où je fais les directs. Et ils vous montrent les images. Là, ils mettent ça devant leur écran. J'ai l'impression que c'est avec moi que vous parlez. Mais ça ne dure jamais. Quand tu parles avec une personne en live, normalement tu dois savoir. Il y a des gens que Dieu va faire des multimillionnaires pendant ce mois de septembre. Il y a des gens à qui Dieu va donner des maris et des femmes. Il y a des gens qui vont voyager pour réussir, pas voyager pour aller devenir des esclaves. Ils voyageront, mais ils réussiront dans leur voyage. Il y a des portes dans les affaires, les finances que Jésus-Christ va ouvrir. Voilà pourquoi, à partir de demain, je ne dis pas aujourd'hui, à partir de demain, quiconque veut souscrire, je vais donner le numéro en direct, pendant mon direct, demain. Il y aura les numéros. Ceux qui veulent souscrire, nous sommes en train de prendre des souscriptions à partir de 100 000. 100 000, tu veux donner plus de 100 000, ça dépend de toi. Ce mois-ci là, et dimanche le 18, ici à Yaoundé, ce programme sera fait. Et à Douala, je leur dirai, quand est-ce que ça sera fait? Dieu doit te bénir d'une manière extraordinaire.
Dieu doit t'amener dans une dimension où personne dans ta famille n'est jamais arrivé. Je crois au Dieu dont je suis le serviteur et dont toi aussi tu es le serviteur et la servante. Donc joignons-nous comme un seul homme ce mois-ci et brisons les limitations dans nos vies et marquons notre génération. Que les clés nous soient révélées, que la manifestation des clés nous soit accordée. Et il faut comprendre que cette offrande, cette opération d'offrande que j'ai lancée, elle est volontaire. C'est volontaire, ce n'est pas obligatoire. C'est pour ceux qui veulent entrer dans cette alliance avec Dieu. Lorsque Dieu voulait bâtir l'alliance, l'arche de l'alliance, il a demandé à Moïse de demander au peuple d'apporter des offrandes volontaires pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, à chaque fois que je demande des offrandes volontaires, c'est parce que l'Église a des défis et nous voulons résoudre ces problèmes-là. C'est rare, ce n'est pas tous les jours que nous le faisons. Donc, c'est rare. Je pense que la dernière fois que j'ai demandé, j'ai suscité des fonds à l'Église, c'était l'année passée. C'était l'année passée. Donc, c'est pour dire que tout le monde prépare son cœur. Et je prie que Dieu prépare aussi ton cœur. Et sois béni au nom souverain de Jésus de Nazareth. Sois connecté ce soir, s'il te plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyons connectés ce soir. Sois connecté à partir de 17h à ma page pour écouter l'enseignement de ce soir et prier avec moi et le Seigneur te bénira. Ceux qui sont hors du Cameroun peuvent toujours souscrire. Demain, je vais vous donner les numéros, parce que les arnaqueurs vont vous écrire. Après que je fais mon direct, là, on va vous écrire pour vous dire, OK, pour l'opération spéciale, souscrivez. Non, non, méfiez-vous sur Messenger, je ne vous écris pas. Je n'écris pas individuellement. Revenez sur mon direct demain, dans ma page, mon direct de demain. Je vais vous donner les numéros de téléphone par lesquels vous pourriez souscrire et me joindre en direct. Écris sur WhatsApp. Que Dieu te bénisse. Ta journée bénie au nom précieux de Jésus. Berthoa, sur ce dimanche 11, je serai à Berthoa pour le grand service de famille. Chacun se prépare avec son offrande familiale et avec sa clé. Nous allons prier ensemble. Douala, la semaine prochaine, nous commençons. La semaine qui vient, nous allons commencer un grand programme à Douala du 14, du 13 au 16. Du 13 au 16. Donc de mardi 13 jusqu'à vendredi 16. Vendredi, c'est à 21h. Mais de mardi à jeudi, ce sera tous les soirs à partir de 17h. Je prophétise qu'avant la fin de cette journée, tu reçois une bonne nouvelle. Dis Amen. Tu reçois une bonne nouvelle. Au nom souverain de Jésus, je prophétise et je répète, je prophétise et je déclare sur ta vie, sur tes enfants, avant la fin de cette journée, avant que le soleil ne se couche, reçois une bonne nouvelle, que Dieu te surprenne. Dans le nom souverain de Jésus, j'ai déclaré Amen. Que Dieu te bénisse ta journée et béni, tu ne choueras pas. Tu ne choueras pas au nom souverain de Jésus. Tu seras l'étoile de ta famille et une étoile incontournable dans cette génération. Au nom précieux de Jésus, j'ai prié Amen. Shalom, bye.